Impossible d'accéder à la plage de Bombo Est en voiture. Ces jeunes de Mamoudzou font partie des rares personnes à avoir eu le courage de descendre à pied sur cette plage ce dimanche. Les habitants ont bloqué, ils n'en peuvent plus des comportements de ceux qui la fréquentent. Une colère comprise ici. Il y a des verres, il y a des canettes qui traînent. Imaginons un enfant de 6 ans, 5 qui passe sans regarder là où il marche. Il peut se couper. Nous, on vient de loin, on vient, mais ils nous donnent l'autorisation de passer du temps. Du coup, on devrait respecter leur choix et leurs conditions qu'on devrait suivre. Si on a fait nos trucs, on finit, on ramasse nos déchets, après on les met à la poubelle. Il n'y a rien de mal. Cet autre groupe est arrivé tôt le matin. Même s'ils ne savent pas comment quitter les lieux avec leur véhicule, eux aussi déplorent l'état de cette plage. Ils sont en colère et ça peut se comprendre. Parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui s'adonnent à la prostitution. Et c'est dérangeant. Et effectivement, je constate que tout ce qu'ils ont dit en ce qui concerne les déchets est vrai. Excès de vitesse dans le village, tapage nocturne ou encore des déchets en tout genre sur leur plage, les habitants de Bombo Est en ont ras-le-bol. Il y a trop de déchets à la plage. Les gens, ils n'amènent pas leur sac poubelle pour mettre les déchets dedans. Et même s'ils en amènent, il y a des grosses bacs de tri qui sont juste à l'entrée de la plage. Et ils ont la flemme de ramener leur sac poubelle jusqu'au bac de tri. Et franchement, c'est désolant, quoi. En allant à la plage, on trouve beaucoup de capotes partout. Bon, ils font leur affaire, mais la moindre des choses, ramassez vos déchets et mettez-les dans la poubelle. Et pas que à la plage, mais dans le village aussi. On en trouve même des fois autour de la mosquée. Et ça, vraiment, je trouve que c'est irrespectueux, quoi. Les villageois ont d'ores et déjà prévenu, si aucune mesure concrète n'est apportée rapidement, ils renforceront leurs actions.